Amis pêcheurs, bonjour. On se retrouve ce soir au comptoir de la pêche pour vous démontrer l'efficacité du montage bonhomme de neige pour la pêche au cou avec les micro-bouillettes Browning en fait qu'on va vous présenter, qui est un produit super intéressant, et aussi les pellets de chivis qui peuvent se monter sur un cheveu. Donc, alors je vais vous décortiquer tout ça. Donc déjà, on a préparé la ligne au préalable. On va utiliser un flotteur de 0,10 g de chez Zebco. Une plombée, donc c'est une majorité de plomb de 9 de chez Milo. Un hameçon de 8 de chez Fun Fishing avec un petit cheveu. Donc on va tout de suite vous mettre les bouillettes dessus. Donc on enfile d'abord une bouillette parfumée, donc dense. Une petite bouillette flottante de 10 mm de la même couleur. Donc une aiguille fine pour pas casser les bouillettes, bien sûr. On a les deux bouillettes. On va prendre un petit stop bouillette de chez Corda. C'est vraiment la version small, hein. C'est vraiment conçu soit pour les micro bouillettes, soit pour les pêcheurs au cou. Et là, on va vous montrer le montage vu du dessus dans l'eau. Donc là, on place la ligne. Hop. Et voilà. Donc on a la ligne qui est pêchante. Donc on voit très bien le flotteur. Et on a le montage bonhomme de neige qui se trouve juste au-dessus du fond, qui sera super léger. Donc une carpe, quand elle va le prendre, ça va lui arriver profond dans la gueule. Et si vous voulez, ça va l'attraper. Ça va le prendre, ça va aller profond en gueule et on va la ferrer quasiment instantanément. Donc voilà, ensuite on va vous montrer le pellet chivis. C'est un pellet qui fait comme une pâte à modeler en fait, si vous voulez, il est très mou. Donc ça ressemble texture pâte à modeler. Aromatisé. Donc là pareil, on va le piquer tout droit. Donc on le pique là dans le plat. On va l'installer sur le cheveu. Donc sans trop l'écraser parce que c'est vachement mou. La présentation au niveau du cheveu, et là pareil, par contre ça sera pas équilibré si vous voulez, mais dans l'eau ça va être bien posé au fond. Voilà pour la petite explication. Ben, on se retrouve sur le www comptoir de la pêche pour plus d'infos. Merci, à bientôt.